Ça va être du Seigneur, la petite chocolat, les auteurs qui font Seigneur, pour ces personnes, Seigneur. Au nom de Jésus. Voilà, donc on est réunis à nouveau pour faire la suite de l'étude qu'on avait commencé sur la création. Attention, je vous vois toutes les deux. Alors, donc dans la première partie de cette étude, c'est vrai que j'ai fait assez rapidement quand même. Donc, comme j'ai pas fait très studieusement, pour combler, je vais vous demander, est-ce que vous vous rappelez donc ce qu'on a fait la dernière fois? Avec quelqu'un. Voilà, donc mon plan ne marche pas. Donc on va y aller quand même, ce ne sera pas très long. Alors dans la première partie quand même de cette étude, nous avons vu que tout a été créé par Dieu. On va regarder la vidéo, tu sauras. Ah oui, c'est vrai. Donc tout a été créé par Dieu, le Père et le Fils. Oui. On va relire Genèse 1, verset 1. Et après, on lira Colossiens 1, verset 16. Et Apocalypse 4, verset 11. Quelqu'un à Genèse 1, 1 ? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Colossiens 1, verset 16. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Quelqu'un à Apocalypse 4, verset 11? Tu l'as pas toi? Non, je l'ai pas. Donc, Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Quelqu'un va préparer Jean, chapitre 1. On va lire aussi Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on ne voit pas provient de ce qui est visible. Non, excusez-moi. De sorte que ce qu'on ne voit, de sorte que ce que l'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Voilà, ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Sinon, c'est facile. Alors, quelqu'un à Jean 1? Jean, chapitre 1. Tout le chapitre ou le chapitre? Non, pas tout le chapitre. Tu l'as? Ouais. Bon. Alors, jusqu'au verset 18. Ah, 18. Ah. Merci. Ah, le piège. Ah, c'est génial. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que nous crussions par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair,
et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié : c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce a été vérité, sont venues par Jésus. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Voilà, la grâce et la vérité sont venues par Jésus et c'est lui qui a fait connaître le Père. Oui. Donc, en même temps, ces versets touchent à la Trinité. Aussi, comme Gladys le disait tout à l'heure, bah, je vous conseille, si vous avez du mal à comprendre pourquoi la Bible dit dans tel verset Dieu a créé et dans d'autres Jésus a créé, eh bien, on vous invite à revoir les vidéos. Qui parle de la Trinité. Voilà, donc on en fera d'autres encore. Il y en a une qui s'intitule aussi Elohim, donc vous pouvez la revoir aussi. Et puis il est prévu encore qu'on en fasse deux sur ce sujet-là, prochainement. Normalement, c'est vos papas qui doivent les faire. Alors, c'est un petit peu le bazar dans mes feuilles, je crois que je vais les séparer. Sinon, tu crois ? Non. Sinon, j'y arriverai pas. Donc, nous avons vu aussi que l'homme a été créé à l'image de Dieu, qui est le roi des rois et qui prend soin de sa création. Et cela implique que l'homme fut créé pour dominer avec amour sur la création de Dieu. Alors, je dirais, prenons en soin au lieu de la piller. Un chrétien qui n'a aucun amour pour la nature et ne respecte pas celle-ci, doit vraiment se remettre en question. Je vous demanderai de préparer Psaume 19.2, Ésaïe 6.3. Donc le véritable but de la création est la gloire de Dieu. L'expression « la gloire de Dieu » signifie d'abord la nature éclatante, glorieuse de sa majesté souveraine. C'est l'ensemble de tous ses attributs. La splendeur divine de sa personne. Tout a été créé pour sa gloire, dans le sens que son œuvre révèle son essence éternelle. Alors on va lire Psaume 19. Verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Alors, Ésaïe 6, 3. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, saint, saint est l'Éternel, le maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. 43, 6 et 7. Et Ésaïe 43, versets 6 et 7. Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens personne. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. Donc quand nous regardons la précision du mouvement des étoiles, nous sommes émerveillés par la grandeur et la sagesse infinie de notre Créateur. En contemplant les montagnes, les mers, les fleurs, les insectes, les saisons, les moissons, nous sommes frappés par le tendre soin et l'intelligence créative de notre Dieu. Et c'est pour cela que, je fais encore une petite parenthèse, les chrétiens doivent être les derniers à consommer des choses jetables comme la vaisselle, les produits plastiques, des produits sous plastique, ou prendre sa voiture par exemple pour éviter de faire 20 minutes de marche pour aller chercher du pain. On doit, en tant que chrétien, montrer l'exemple même dans ces choses-là.
Donc, tout contribue ou devrait contribuer à refléter ainsi la gloire de Dieu. C'est ce qui est écrit dans le psaume 29.9. Si quelqu'un n'est pas loin des psaumes, je crois qu'Elisabeth y était. Voilà, en deux coups de flap-flap, elle y est. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Après, il faudra préparer un Colossiens 10, verset 31. Un Corinthiens, pardon, 10, verset 31. Le psaume 29. Donc, nous-mêmes, créés par Dieu et pour Dieu, nous trouverons notre épanouissement en choisissant volontairement d'accomplir le but pour lequel il nous a donné la vie, c'est-à-dire de vivre pour sa gloire. Le véritable but de notre existence, c'est de refléter la nature de Dieu par notre vie. On va lire 1 Corinthiens 10, 31. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, psaume 29, 2. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Donc, c'est aussi par notre amour et notre adoration de rendre à l'Éternel gloire, honneur et louange. Ce but sera réalisé parfaitement le jour où nous serons glorifiés et réunis à ceux qui, dans la présence de Dieu, adorent déjà le grand Créateur, comme en Apocalypse 4:11. On va le relire. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Est-ce que tu veux bien reprendre Hébreux 11:3, Elisabeth ? Donc voilà, j'ai pas fait long. Donc là, on va passer aux questions. Donc, je vais te demander de lire Hébreux 11:3. Et pendant que tu lis Hébreux 11:3, on va réfléchir. Moi, j'ai une longueur d'avance parce que c'est déjà fait. Sur quelle est la portée de chaque proposition de ce verset. En sachant que dans ce verset, il y a deux propositions. Donc, je te laisse le lire. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alors, quelle est la portée déjà de cette première proposition qui est faite dans cette première déclaration qui est faite dans Hébreux 11:3 ? C'est par la foi que nous comprenons. Comment c'est dit ensuite ? Nous reconnaissons que le monde a été formé. Voilà, c'est par la foi que nous reconnaissons ou comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Vous n'avez pas d'idée sur le sujet ? C'est vrai qu'elle est péchue, celle-là. Laisse m'asseoir un peu. Il faut laisser mijoter. Oui, c'est évident entre guillemets. C'est vrai que quand on discute avec des gens qui sont pas chrétiens, qui croient pas du tout en Dieu, et qu'on leur dit mais vous comprenez pas que c'est Dieu qui a créé tout ce qu'il y a autour de nous, ils répondent
Mais comment tu peux croire en Dieu? Il n'existe pas. Ça, c'est tout ce qui est autour de toi, comme tu dis. C'est pas Dieu qui l'a formé. C'est le Big Bang. C'est la théorie de l'évolution. C'est scientifique. Ça peut se prouver. Mais non, ça peut pas se prouver. Et ça, il y a que par la foi qu'on peut accepter que ça peut pas se prouver. Déjà, c'est vrai. T'as une idée, Elisabeth? Autre chose? Non, c'est bon? Même avis? D'accord. Il y a un collègue aussi qui me disait là l'autre jour, il me disait, en parlant à une autre collègue, peut-être on a tort, peut-être, il me dit, parce qu'il est chrétien, il me dit, peut-être, il n'y a pas de Dieu. Et puis après, il part dans une tirade, si on me dit qu'il n'y a pas de Dieu, alors là, c'est fini, j'arrête de faire tout comme il faut. Mais je dis, non. On n'a pas tort. Je dis, c'est pas possible. Parce que si on ne croit pas fermement, ben, qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Je dis, qu'est-ce que je fais à l'église, à donner des messages, ou à participer à des études bibliques, ou à faire de la louange? Autant que je reste chez moi. Hein. Autant que je reste chez moi. C'est... Alors là, il fait le signe de croix hein, devant les collègues, etc. Mais c'est bien d'avoir des discussions comme ça avec les gens. Je suis en train de penser aussi à autre chose, c'est que je pense à la petite scénette que Jean-Marc et Julie nous avaient fait une fois ici. Ils avaient, je vais essayer de résumer un petit peu pour ceux qui nous regarderont sur la vidéo. Ils avaient mis en scène deux jumeaux enveloppés dans un drap qui représentait donc le ventre de la mère. Et puis les deux jumeaux discutaient entre eux. Mais est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose après, quand on sera plus dans le ventre de maman? Est-ce que tu crois qu'il y a autre chose dehors? Parce que moi, franchement, moi je crois qu'il n'y a rien, quoi. Il y a notre vie dans le ventre de maman, et puis après, c'est fini, quoi. Et bien sûr, on se rend compte, et on le sait déjà, que c'est totalement faux. Puisque une fois qu'on sort du ventre de notre mère, il y a tout le reste. tout ce qu'on connaît en tant qu'être humain, quoi. Et puis, la séquence d'après, c'était les deux mêmes jumeaux, mais vieux. Et... pour dire les choses, proche de mourir. Et pareil, le même jumeau qui disait à sa jumelle, est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose après la mort? Moi, je crois qu'il n'y a rien, c'est pas possible, c'est obligé qu'il n'y ait rien du tout. Et là, la jumelle, donc Julie en l'occurrence, qui lui répondait, mais cette conversation me rappelle vaguement quelque chose. Et on peut se dire effectivement que oui, de la même façon qu'un bébé peut imaginer que le monde se résume à ce qu'il connaît dans le ventre de sa mère, nous on s'imagine que ce qu'on connaît, il n'y a rien d'autre, parce qu'on ne s'appuie que sur ce qu'on voit, mais en réalité il y a quelque chose après, il y a toujours quelque chose après. C'est vrai que c'était un super sketch qui expliquait bien les choses. Oui. Alors donc en fait, il y a aussi autre chose, c'est que le monde déclare, voilà, comme le disait Gladys en recitant ce sketch, voir, c'est croire. Mais Dieu dit, et 1 Jean 5, 13. Alors, 1 Jean 5, 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et Jean 11, 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ça fait penser à un peu. Oui. Voilà, donc dans le domaine spirituel, à la foi précède la compréhension. Alors, la deuxième proposition qui est faite dans le verset d'Hébreux 11.3, c'est
en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que dans le... dans la pensée... non, je... c'est trop loin, sans mes lunettes, j'arrive pas à lire. Dans la pensée scientifique, on dit que tout se recycle, finalement. Il n'y a pas de création à l'heure actuelle dans le monde. Il n'y a pas de création. Tout ce qu'il y a autour de nous est un recyclage, je schématise, est un recyclage de ce qu'il y avait avant. Sauf que, en pensant comme ça, on est obligé de se dire, donc, la Terre a été formée à partir de quelque chose qui existait déjà. Le premier être humain a été formé à partir de quelque chose qui existait déjà. Sauf que non. La Terre et tout ce qu'elle renferme a été créée littéralement à partir de rien. La preuve, là-dedans. Ouais. Donc aussi, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, par exemple, l'énergie, c'est invisible. Si on prend la définition de ce qu'est l'énergie, donc on peut par contre voir ce qui va la produire ou la mesurer et ses effets sur un système. Ça, on peut le voir. Mais à l'œil nu, on ne peut pas voir non plus les atomes, non. Ni les molécules, non. Ni certains gaz. Et pourtant, combinés ensemble, ils forment ce que nous voyons. Et ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas. Donc, la réalité de la création, décrite dans Hébreux 11, 3, est incontestable. Elle n'a jamais été mieux décrite. Et elle ne le sera jamais. Et comme dit notre bien-aimé frère Jean-Michel, comme il l'a dit samedi dernier à l'association Active, eh ben, soyez curieux, intéressez-vous un petit peu à la physique, à la quantique, mais au moins un minimum. Alors, deuxième question. Est-ce que Dieu, on va préparer Jean 17, 24, et après Colossiens 1, 16, est-ce que Dieu a créé pour avoir quelqu'un à aimer ? Il a créé l'homme. Non. En fait, on va voir que la Bible dit que c'est pas ça. Alors, Jean 17, 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc là, on voit que le Père a aimé le Fils avant la création du monde. Donc il n'avait pas besoin de créer pour aimer, puisqu'il aimait déjà avant la création. Alors, mais du coup, pourquoi Dieu a-t-il créé ? Ce que nous savons, c'est que il a tout créé par Christ et pour Christ. On va d'abord lire Colossiens 1, verset 16. En effet, c'est en lui, donc en Christ, que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et on va prendre... de toute façon, on va rester dans Jean. Et donc aussi, certainement, il nous a créé pour que nous soyons un avec lui et que nous contemplions sa gloire et que nous ayons en nous l'amour dans le Père l'a aimé, voilà, comme tu dis Jean-Baptiste, dont il a aimé le Fils. Alors là, on va lire Jean 17, 20 à 26. Si tu veux le lire. Alors Jean 17, versets 20 à 26.
Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leur parole. Donc à travers la parole des apôtres. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. Personnellement, je crois que c'est deux des raisons pour lesquelles nous avons été créés. Afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée. Ça, c'est ce que Jésus dit au Père. Et encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Et que moi, je sois en eux. C'est sur ces merveilleuses paroles de Jésus qu'on va terminer cette étude sur la création. Après, il y en aura d'autres, bien sûr, parce qu'on n'a pas abordé le thème de l'homme. Ni d'autres choses dans la Genèse, mais on les abordera plus tard dans d'autres études. Voilà. Qui veut prier pour clôturer ? Père, je te remercie vraiment pour ce moment qu'on a passé en ta présence. Merci pour cette étude parce qu'elle est vraiment très agréable et c'est vraiment, mais je te rends grâce pour tout cela, Seigneur. Que ces paroles vraiment, que ces paroles soient vraiment dans le cœur des gens qui ont écouté cette vidéo, Seigneur. C'est vraiment important de savoir que le Père, c'est le grand créateur et qui nous aime. Vraiment, vraiment, c'est vraiment le plus important, Seigneur. Et je te rends grâce pour tout ça, au nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Voilà, donc la semaine prochaine, ben certainement, beau papa nous fera la suite de l'étude sur Elohim. Je crois que ça parlera du Fils ou du Saint-Esprit. Normalement du Fils. Voilà. Et comme d'habitude, quand c'est Didier qui fait les pas du maître, on mettra en commentaire en dessous le lien pour avoir les photocopies de l'étude qu'il a préparée. Bonne soirée.